Brexit Romance, c'est un mélange de comédie romantique et de comédie politique avec quatre personnages principaux. Il y a deux Français et deux Britanniques. Et c'est l'histoire d'une Angleterre post-Brexit où une jeune femme décide de fonder une start-up de mariage arrangé afin de faire s'épouser entre eux des Britanniques et des Français, afin que les Britanniques obtiennent la nationalité française et donc le passeport français et donc le passeport européen. Et à partir de là, évidemment, on entre dans une espèce de comédie un peu inspirée des screwball comédies à l'américaine et aussi des bouquins de Austin et des sœurs Bronté, où on a tout un tas de péripéties qui vont mener je vais pas me spoiler mon propre livre, mais à des considérations politico-romantiques sur la jeunesse européenne de nos jours. Il y a beaucoup dans Brexit Romance de références au théâtre, à l'opéra, etc. Parce que pour moi, c'est un monde qui est un petit peu stylisé, un peu plus grand que nature. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir sur une scène d'opéra. Tout ce qui est un peu du jeu d'acteur, du jeu d'actrice, va entrer en ligne de compte dans l'histoire. Tous les personnages, ils essayent de jouer un rôle. Il y en a qui essayent de jouer le rôle de l'amoureux transi. Il y en a d'autres qui essayent de jouer le rôle de la jeune fille très, très politique. Et très, très engagée. Il y en a une autre, Marguerite, qui elle a 17 ans et elle débarque en Angleterre et elle est passionnée de l'Angleterre et elle imagine que tout ce pays en fait est une scène pour elle, pour qu'elle y joue, pour qu'elle y chante, etc. Puis elle va déchanter littéralement, elle va découvrir que c'est pas tel qu'elle l'imagine. Donc moi j'aimais bien ce monde du théâtre, justement pour faire référence au fait que c'était pas la vie telle qu'elle réelle, mais quelque chose dont les paramètres sont un tout petit peu plus étendus. Je pense pas que ça soit un bouquin qui soit hyper méga osé, mais c'est vrai que on a quand même des scènes qui moi, enfin que j'ai mises en place afin justement de faire, de pousser par exemple la comédie au plus loin, aussi la satire politique. On croise des personnages comme Marine Le Pen ou comme le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles ou comme des aristocrates qui jouent du croquet ou comme une camionnette à glace très déglinguée et ce genre de choses-là. Mais ça, c'est des codes qui sont aussi un peu empruntés aux comédies américaines des années 50-60 où justement on poussait très loin ce genre de choses. Et moi, je crois beaucoup à ce que dit justement un Anglais, Coleridge, qui dit que quand on crée une atmosphère de roman ou quand on crée une œuvre d'art, en fait, il faut aider les lecteurs et les lectrices à suspendre leur incrédulité afin qu'ils puissent entrer dans ce monde et en accepter les paramètres, même s'ils sont implausibles. Et moi, j'adore ça parce que pour moi, la littérature, même quand elle est réaliste, elle doit permettre quelque chose d'un peu incongru, d'un peu hors du commun. Et j'aime bien créer ça dans mes propres textes, si je peux. Il y a un jeu sur la langue tout le long du roman parce que moi j'ai voulu l'écrire sous forme un peu de franglais ou alors comme on dit de mauvaise traduction de l'anglais. C'est-à-dire que je vais m'autoriser plein de calques, d'anglicismes, de trucs où si tu le fais au lycée tu perds plein de points en version parce que justement ce qui m'intéressait c'était de chercher un entre-deux langues en fait, un entre-deux cultures, une espèce de langage qui traduirait ce que ça fait d'être dans des relations interlinguistiques. Linguistique et interculturelle. Et il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont inspirées de mes propres expériences de dialoguer avec des Britanniques ou voire avec des francophones britannisés, etc., où on utilise tout le temps des anglicismes ou ce genre de choses. Mais en fait, il y a une vraie matière littéraire dedans. Moi, je trouve ça super intéressant de voir quand on copie des formulations très, très, très anglaises du type « Je ne suppose pas que vous ne soyez pas prêt à venir, mais surtout ne vous inquiétez absolument pas si jamais ce n'est pas... » Parce que ça fait quelque chose à la langue française qui est de l'ordre du littéraire, je trouve. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire tout un roman comme ça. Et avec une vraie hybridité des registres de langue aussi, c'est-à-dire que c'est écrit complètement au passé simple, une facture très classique, et en même temps, à côté de ça, avoir des hashtags en plein milieu. Enfin, je trouve ça toujours amusant de faire ce mélange de genres et ce mélange linguistique. Un livre qui m'a fait aimer lire quand j'étais ado, il y en a beaucoup, beaucoup, parce qu'en fait, j'adorais déjà lire quand j'étais ado, donc j'avais pas beaucoup besoin qu'on me convainque. Mais puisque c'est le contexte franco-anglais, je vais quand même mentionner un super livre, enfin deux. Déjà, Camo, l'agence Babel de Daniel Pennac, où on a le jeune Camo qui va avoir une correspondante anglaise qui se révèle être, je spoil un tout petit peu, Catherine des Hauts de Hurlevent, Cathy, et puis un autre que je mentionnerai, c'est
Alibi de Suzy Morgenstern, qui avait aussi ses relations franco-britanniques avec deux enfants qui trouvent un ballon qui vient en fait de Grande-Bretagne. Et donc ils vont prendre l'Eurostar et ils arrivent en Grande-Bretagne et ils sont lâchés dans Londres et ils vont essayer de vendre une recette de croissant aux anglo-saxons. Et c'est vraiment... Ces deux livres-là, pour moi, c'était les premiers ponts vers la langue anglaise et vers la culture britannique. Donc je les cite voilà, parce qu'ils sont en rapport, je pense, avec Brexit Romance.